Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur une vidéo de Super Tuxcart. Vidéo de test de la version 091RC, Relais Candidate. L'idée c'est une petite mise à jour en fait de la 09 qui ajoute quelques fonctionnalités intéressantes. D'après ce que j'ai vu sur le blog, je vais juste le sortir pour être sûr. Donc on a déjà histoire que il y a beaucoup de choses sur lesquelles il y a eu des améliorations qui sont totalement invisibles, puisque c'est en fait les maps peuvent être scriptées maintenant. Donc par exemple le tutoriel n'est plus inclus dans le jeu en C++ avec une compilation chaque fois que vous voulez modifier une virgule dans le texte. Mais il a été implémenté en script, donc le concept c'est que ça permet d'être beaucoup plus interactif, puisque si vous faites du débogage ou comme ça, ben vous touchez votre script et puis vous le sauvez et vous relancez le jeu et ça doit prendre en compte. En tout cas, pour autant que j'en sache, par rapport au script... Oula, pardon. Excusez-moi, je baille, c'est le matin. Sinon, la classe de maths d'Olivier qui a évolué. Ça, c'est pas vraiment une surprise, hein. J'avais dit la dernière fois... pour la classe de maths d'Olivier, que je pensais qu'elle avait l'air assez vieillotte. Donc, je pensais que ça allait devoir évoluer assez vite. Effectivement, c'est le cas. On va vite faire un petit tour. Sinon, on a aussi une évolution sur la carte sous la mer qu'on regardera juste après. Et puis, je sais plus. Enfin, alors, pour la classe de maths d'Olivier, déjà pour commencer, prenons chaque chose en son temps, on a une petite tablette là, très sympa, qui nous explique qu'il faut suivre Super Tuxcart sur Twitter. En fait, apparemment, ils sont en train de commencer à mettre de la pub pour eux pour faire connaître le jeu, tout simplement, en fait. C'est-à-dire que si on ajoute des. Enfin. Ce genre de truc, les réseaux sociaux, c'est vrai que d'un point de vue philosophie du libre pur, ben suivant quoi, ils vous traquent ou ils vous suivent comme ça, mais par contre ça permet de faire connaître le projet. C'est de la même optique que j'ai ma chaîne YouTube, hein. Y a des gens qui, les aficionados du libre, qui me disent « Non, je ne veux pas de YouTube, c'est mal ». Oui, c'est mal, mais il faut aller là où il y a les gens si on veut se faire connaître un minimum. Donc voilà, il n'y a pas tellement le choix. Voilà, est-ce qu'elle a changé un petit peu cette pile? Ok. Voilà, nouveauté aussi, on sort de la classe maintenant. Avant, on tournait juste là à gauche, hein. Et ça, ça a été démoli. Juste essayer d'entrer dans les mallettes, voir si on peut les shooter, mais apparemment pas. Peut-être qu'on... Ah oui, maintenant que j'y pense, peut-être qu'on pourra un jour. Hein. L'implémentation des destructions de trucs est faite, on pourra. Mais pour l'instant, on peut pas. Voilà, bon, bref. Passons. Donc on sort de la classe 1.13 à 1.13 pour aller ailleurs. Il y a le bureau visiblement, office. Ah là il y a une affiche. Monotube underwater transport. Ah transport sous-marin dans un tube qui va entre plusieurs endroits. Ils expliquent information donate.supertuxcart.net. Donc là c'est aussi de la pub pour qu'on donne des sous à STK. C'est vraiment maintenant le but de faire évoluer le projet. Finalement, si vous donnez des sous, ça permet de libérer du temps pour les développeurs, pour développer le projet, puisque ils auront peut-être le temps de travailler. Ou... Ah, je pensais qu'on pourrait passer derrière la tablette. Peut-être qu'ils pourront se libérer un petit peu de temps. Enfin, vous voyez, si on arrive à trouver un financement de... Enfin, je dis « on », je ne suis pas dans le projet STK, mais s'ils arrivent à trouver un financement, par exemple, pour avoir un job à 20%, ça permettrait peut-être d'employer quelqu'un à 20%, on sait jamais. Pour faire du code. Et si c'est oui, si c'est plus, pas c'est plus, c'est encore mieux. Enfin voilà, donc cette carte est magnifique. Peut-être que vous avez noté aussi que Tux a évolué un petit peu, puisqu'il y a des évolutions mineures sur les cartes. Ils sont basiquement plus brillants et certains un peu mieux détaillés. Oui, j'ai gagné la course. En même temps, tout seul, ça va, même en 2 minutes 35. Bon, bref. Et puis sinon, on va aller regarder une autre carte. Je vais pas m'étendre non plus 2 heures parce que j'aimerais que vous puissiez découvrir un peu par vous-même. Alors, l'autre carte que je vais vous montrer, c'est la carte sous la mer, qui est assez sympa. Ils ont en fait mis dedans une preview de la future carte sous la mer que vous pourrez avoir plus tard, ou que vous pouvez déjà, enfin, entre guillemets, acheter maintenant. J'aime pas le terme acheter, c'est plutôt vous payez, vous donnez, faites des petits dons pour STK, et puis en échange, STK vous offre la carte sous la mer nouvelle version. Alors jusque-là, c'est la même chose, hein. Sauf qu'on commence pas au même endroit, mais c'est après que ça évolue un petit peu.
Mais la future carte sous la mer. Donc en fait, elle existe déjà, mais elle n'est pas incluse dans le jeu. Et si vous la voulez, vous faites un. Vous faites un petit don. Et puis vous pouvez l'obtenir. C'est tout à fait dans l'esprit de logiciel libre. Moi j'aime beaucoup cette idée. Je veux dire, c'est pas. Je crois pas qu'il y ait des. À ma connaissance, il n'y a pas de restriction après sur la redonner si vous voulez vraiment, même si c'est pas le but, hein. Franchement, c'est mieux de la garder pour vous, puis que les gens l'achètent. Comme ça, on fait un maximum de profit pour le. Finalement, pour le jeu lui-même, quoi. Enfin bon, jusque-là, comme vous avez remarqué, c'est la même chose. Notez bien en écoutant attentivement que la nitro fait du bruit maintenant. Moi, je dis qu'on pourrait pousser plus loin, puis mettre aussi un bruit quand on fait des dérapages. Mais ça. Quand on dérape et puis qu'il y a des étincelles. Un petit crispement de quelque chose. Voilà, et ça c'est la preview pour la nouvelle version. D'ailleurs c'est même écrit en haut, hein. This is a preview of the new subsea track. Support us. Donate.supertextcard.net. And get the track as a gift. Donc voilà, c'est ça. Vous donnez les sous et vous recevez la carte comme cadeau. C'est vraiment super intéressant. Et les effets visuels sont incroyables. Alors après, je sais pas, ça dépend de ce que c'est comme matériau. Je suis pas sûr qu'à travers, pour avoir eu un aquarium très longtemps, je pense pas que les déformations sont aussi prononcées que ça dans un vrai aquarium. Mais pour le reste, c'est bluffant quoi. Et puis encore un petit truc, je vais vous montrer, en passant à droite. Alors ça j'ai trouvé très drôle, apparemment il y a eu un petit bug avec là. et ça je te montre pour toi Sam Uncle, ou alors c'est fait exprès et puis... Et puis je sais pas. Voilà, regardez bien la mouette. Cette mouette est complètement bourrée. Et ça, je trouve ça génial en fait. Vous voyez, elle fait des tonneaux, sauf qu'en fait, elle fait un demi-tonneau, puis pouf, elle se retrouve retournée d'un coup. Et dans l'idée, c'est super cool qu'elle fasse un tonneau de temps en temps, mais là, elle est complètement beurrée. Voilà, je vais pas. Comme je vous ai dit, je vais pas m'étendre trop longtemps, 2 heures, hein, ça fait quand même déjà 7 minutes que je suis sur cette vidéo. Juste vérifier encore qu'il n'y a rien d'autre. Je crois pas comme ça, mais enfin, niveau. C'est vraiment cool que le jeu se donne maintenant la. Effectivement, il y a. Comme ça, je crois que j'ai rien loupé d'important. Il y a d'autres tracks qui ont été modifiés, mais je ne vais pas les montrer pour des questions de spoil. Je vais pas tout vous gâcher le plaisir non plus. Oui, et donc, ben, je trouve cool, ça donne un peu un modèle marketing au jeu. Qui reste bien sûr libre et gratuit, hein, ça s'arrête pas. C'est pas parce qu'il y a un marketing, c'est juste pour faire de la pub. C'est pas pour que le jeu devienne un jeu payant qui vous coûte un bras. C'est pas ça du tout, c'est juste pour qu'il soit connu. Puis peut-être qu'un jour des grands youtubeurs jouent avec aussi, ça pourrait être très très fun. Voilà, bon. Donc, ceci vous le retrouvez à l'adresse du blog de SuperToxCart qui est supertoxcart.blogspot.ch. Je vais essayer de vous mettre la fenêtre en espérant que ça ne... je vais juste prendre la bonne taille. Pas que ça vous déforme trop. Voilà, je pense que là on sera pas trop mal. Allez, change de scène. Oui, je fais du montage en direct, n'est-ce pas? Ça s'appelle de la flemme, messieurs, dames. Pouf, parce que je suis un petit peu à la ramasse. Voilà, donc sur le site de supertoxcart.blogspot.ch. Vous voyez l'adresse là, c'est mignon, n'est-ce pas? Vous avez là-dedans le lien pour télécharger ceci. Le lien il se trouve en bas du dernier post, hein, tout simplement. Il y aura peut-être une RC2 du coup, suivant quels bugs sont découverts. Si vous avez justement à propos de ça, si vous avez des bugs, si vous remarquez un truc, n'hésitez pas à les signaler sur le forum. D'STK, voire sur l'IRC. N'hésitez pas non plus à faire un petit don. Moi, je pense que je vais en faire un. Je vais essayer en tout cas. Allez, on va regarder comment on fait. Ah, bah là, on a d'autres images des futurs tracks, des futures pistes. Ouais, donc ça passe par PayPal, hein, si vous voulez faire un don. Voilà, et sur ce, n'hésitez pas à laisser un petit pouce de votre couleur préférée, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup à l'équipe de SuperToxCard, je vous souhaite le meilleur. Votre jeu, c'est vraiment de la bombe et ça s'améliore régulièrement, donc moi je trouve ça vraiment, vraiment cool.
Et c'est aussi pour ça que j'ai insisté un tout petit peu sur les dons. Non, je ne suis pas rémunéré pour faire une vidéo pareille, mais vraiment, je pense que c'est important parce que là, on atteint vraiment un jeu, on atteint un niveau qui pourrait être tout à fait professionnel pour ce jeu, qui est fait par des amateurs très éclairés, avant tout. Voilà, engueulez-moi si ce n'est pas le cas. Voilà. Sur ce, donc, je disais, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce de votre couleur préférée, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.